Ça y est les gars, je suis le meilleur super-héros de Fortnite. Non mon gars, c'est moi, je suis super entraîné cette saison. T'es super naze, c'est ça que tu veux dire plutôt. Frérot, aujourd'hui je peux sauver n'importe qui à la vitesse de la lumière. Et toi à côté tu fais rien. Pardon? Mais c'est moi le main caractère de cette saison gros, je suis Captain Genesy. Ok, on va faire un test pour voir qui est le meilleur des super-héros. Pour ça, c'est très simple, il y a actuellement 3 super méchants sur la map. Chacun de ces super méchants possède un médaillon. Et notre défi va être le suivant, il va falloir récupérer ces 3 médaillons dans une seule partie. C'est tout? Celui qui les récupère en premier sera officiellement qualifié de meilleur super-héros. Et en cas d'égalité, par contre, il faudra faire le meilleur top, donc ça compte quand même. Ok, ça me va, c'est parti. Tu vas te faire humilier, tu sais. Laisse-moi rire. Ça doit être ça. Allez, bonne chance, mon frérot, ça commence maintenant. Ok, nous voilà dans une game. J'ai une stratégie pour récupérer tous les médaillons. Déjà, parce que je suis trop fort, je suis le super-héros de cette saison. Mais ensuite, parce que j'ai... Oh non. Ok, bon, c'est pas grave. Je vais quand même prendre celui-là. Alors, le premier, c'est celui-ci qu'il faut qu'on récupère. C'est très simple. Je vais spawner sur l'église, tuer le médaillon, j'ai une technique. Bref, on chope celui-là. Ensuite, on file à Raft. On va prendre le médaillon de Frost parce qu'elle est super facile à battre. Et après, Fatalis, c'est le plus difficile. On le récupérera par la force de super-héros. Donc, c'est-à-dire, on va tuer celui qui a le médaillon. Et comme ça, on aura les 3 médaillons. Allez, il est temps de sauver toute la population. Allez, attends toi frérot, reviens par là. Et Deadpool, c'est pas toi qui aura le buzz aujourd'hui, ok? Ouais ouais, non mais regarde pas comme ça. Ici il peut y avoir qu'un seul super héros et ça sera moi. D'ailleurs je sais même pas si on peut te considérer comme un super héros hein. Allez, il est temps de montrer au monde entier que vous pouvez faire confiance à Bananverine. Les 3 méchants se situent donc à Le Raft, Doomstat et Château de Fatalis. Et rien de mieux pour commencer que celui qui a manigancé tout ça, le petit docteur Fatalis. Faut que ce soit absolument le premier à spawn sur l'église. Il faut qu'il y ait des coffres aussi dans l'église. S'il n'y a pas de coffre, c'est un peu chiant. Ça fait beaucoup de conditions, mais conditions respectées, il y a un coffre. C'est parti. Bon, par contre, je vais peut-être devenir un super héros, mais actuellement, je suis un super zéro et j'ai loupé mon spawn. Allez, il faut vite changer ça là. Ok, on fait pas partie des premiers, on doit se casser. C'est une cata. On va prendre le véhicule qui est juste là et c'est parti. Première arme juste ici. Des murs blindés juste là. Et je suis déjà coincé entre 2 barrières. Non, mais c'est pas possible. Ok, j'abandonne. C'est pas grave. Parfait. Première élimination. Ok, on a le premier médaillon, on spawn, on saute, on va sur la voiture, on va à Frost, direct. C'est parti, rapide ce début de partie les gars, rapide. Allez, l'opération Bananverine, élimination Fatalis commence. Et d'ailleurs vous avez vu, j'ai ma petite mascotte juste derrière, c'est maman qui me l'a faite. Elle est pas magnifique franchement, elle est censée me représenter. Bon pour le moment le seul problème c'est que je n'ai pas de pompe. Et ça, ça va vraiment être la chose qui me manque. On va essayer de rentrer, pas du tout discrètement, on y va. La salle de Dr Fatalis est juste là. Mais bon en fait faut pas qu'on commence le fight parce qu'il y a trop de personnes à côté. Il y a un petit canon juste là, qu'est-ce qu'il fait là? Ok, il y a un mec juste là, c'est parfait. Hop là, on l'élimine, magnifique. Mais il avait pas de pompe, ça nous aide pas. Par contre, ça se fight juste à côté. Ok, je crois qu'ils sont sous les toits. Ils doivent être juste ici. Et oui, il est là. Allez, il faut qu'on l'élimine. Allez, 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 let's go. Magnifique. C'est ça qu'on veut, là on est très bien, on a presque éliminé tous les joueurs du spawn. Bananverine est en place les gars. Et regardez ça, il avait pompe plus PM sur cheaté. Non mais on est trop bien. Et attends, mais il avait 13 murs blindés en plus des 15 que j'ai déjà. Mais c'est quoi ce bordel? On prend quand même des armes pour aller tuer Frost. Ah, normalement il y a 2 coffres ici, assez facile à prendre. On prend ça et on se met des PV. Hop, c'est parti. Go Frost les gars. On va mettre un point de repère comme ça, voilà. On va direct en ligne droite. Ok, on y est déjà les gars. Normalement Frost, elle est assez facile à battre. Elle a pas beaucoup de PV. Donc normalement ça devrait le faire. J'ai des bonnes armes. Je me mets juste full shield et on y va. Bon, eh bien redescendons maintenant. Et on va profiter pour casser le siège du boss. Normalement avec cette technique, il devrait pas nous attaquer. Ok, j'ai peut-être mal fait la chose. En tout cas, on reste sous les toits parce que je crois qu'on n'est pas tout seul les gars. Alors, on va faire le... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais faire le mec discret, j'ai fait tout l'inverse. Pourquoi je suis passé à travers le lustre? Ça, ça arrive que dans les films normalement. Alors là, la mission super héros vient de se transformer en super zéro les gars. J'espère au moins que Wick ne s'en sort pas assez bien. Ok, j'ai le médaillon, je me casse. Ok, 2 médaillons. Il y avait un ennemi juste à côté de moi, j'ai réussi à l'esquiver, c'est une dinguerie. On se casse, on va à Fatalis maintenant. Ok, ouais, j'ai bien les 2 médaillons. Ok, tout est bon. Je vais essayer d'aller à ce truc là, je vais lui voler. Il y a moyen que je récupère un bon stuff. Ok, j'ai eu des gants. C'est pas mal, je me casse. Voilà, c'était sûr qu'il y avait quelqu'un qui allait venir. Casse-toi.
vais prendre la voiture là-bas, comme ça je pourrais m'échapper tranquille. Ok, on a la voiture, on se casse. On va à Fatalis, c'est parti. Allez, on est reparti, cette fois-ci tout va mieux se passer. Et là j'entends des cris à l'aide. On me dit qu'à Doomstad il faut sauver quelqu'un. Alors on s'y rend. En plus de ça, ça tombe bien parce que j'ai une technique pour tuer le boss en seulement quelques secondes. Regardez bien. Bon, par contre, je suis pas le seul à connaître l'astuce, je crois. En gros, regardez, si vous spawnez juste ici, que vous ouvrez ce coffre, que vous tuez la personne qu'il y a juste en dessous. Hop là, comme ça. Et que vous récupérez ensuite tout le stuff qu'il y a à offrir. Vous n'avez plus qu'à monter tout en haut. Allez juste ici, boire votre grosse potion. Et vous allez pouvoir faire un glitch de qualité. Mais le problème, c'est que je sens pas être le seul actuellement à vouloir faire ce glitch. Du coup, je dois encore éliminer quelqu'un, décidément. Donc je disais, il suffit de taper sur le boss juste ici. Et il va venir et il ne va pas pouvoir vous toucher, les gars. Ensuite, défoncez tous vos chargeurs dessus. Et c'est gagné! Me voilà avec le premier des médaillons. Et maintenant, il nous en reste plus que deux. Par contre, j'espère que Wick galère aussi de ce côté. Les gars, tout se passe bien pour l'instant. Je suis le super héros. Est-ce que quelqu'un a pris le médaillon Fatalis? Non, il est dans la zone. Parce qu'à mon avis, il doit être grave contest. Je pense qu'on peut le faire, les gars. Ah, quelqu'un a pris. Je vais l'attendre en bordure de zone. Ok, je vais l'attendre ici. On recharge les armes. Ah ouais, j'ai pas beaucoup de munitions. Oh là là, j'ai fait l'erreur. Ah, je pourrais pas me battre contre lui en plus. Faut que je prenne des munitions. Je vais le prendre là-bas. Et regardez, maintenant, je suis invisible. Bon, par contre, je peux pas recharger mes armes. Donc, on va se battre. Prochaine destination, la revanche contre le docteur Fatalis. Allez, let's go, c'est fini. Premier médaillon, ça fait plaisir. Ok, fusil à pompe, ok, de la vie. Ok, des potions, c'est parti, on va récupérer le médaillon. Le mec là, il va vouloir sortir, à mon avis, ça fait longtemps qu'il est dans la zone. Il doit plus avoir beaucoup de vie, il doit être par là le mec. Ok, il est là-bas, on va le maintenir dans la zone, comme ça il va mourir de la zone. Et ouais, il s'empresse de sortir parce qu'il a plus beaucoup de vie. On va le suivre, on va pas le laisser reprendre sa vie. Oh putain. Ok, let's go! Troisième médaillon, on sort de la zone maintenant. Je vais mourir sinon. J'ai les trois médaillons, les gars! Les trois médaillons dès la première partie! Wesh! Let's go! J'ai gagné! C'est moi le super héros! Ok, maintenant on va essayer de faire la meilleure partie possible. Oh là là, les gars, j'ai gagné! Je suis le main caractère de Fortnite, les gars! Je suis vraiment trop fort! Je suis vraiment trop fort! Les gars, regardez ça! J'ai les trois médaillons de Fortnite devant moi, les gars! Est-ce que c'est pas ça qui prouve que c'est moi le big boss de cette saison? Oh là 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 là, incroyable! Ok, on rentre dans la forteresse avec notre voiture. Ok, on a plus de voiture, c'est terminé. Et maintenant, on passe en mode espion. Sur notre chemin, on récupère même le pistolet mitrailleur, c'est parfait. On a vraiment pris le meilleur médaillon pour commencer. Ok, et Fatalis est en train de prendre des dégâts. On arrive au bon moment. Et par contre, on arrive trop tard parce que le médaillon a été pris. Non, c'est pas possible. Ok, vite, je prends ça et je me casse. Le mec est en train de se barrer de la ville. Non. Et en plus, la zone, elle fait super mal. Non, s'il vous plaît, je vais pas mourir que en me suicidant. Elle peut pas se finir comme ça, la vidéo. Hop là, on prend la zone. Voilà, comme ça, on est sûr que tout va bien. On a tous les emplacements de zone. Non, mais les gars, on est trop bien. On va remettre de l'essence, les gars. On peut se permettre de remettre de l'essence. On a les trois médaillons sur la carte. Let's go. C'est moi le super héros, les gars. Qu'est-ce que je vous avais dit? I am the super hero, bro. Bunker, on va aller se faire le bunker en vrai. Ok, il y a un bouclier. Il nous faut le bouclier et il nous faut ça aussi. Là, je pense qu'on est pas mal, les gars. Il y a un mec là-bas. On va voir ce que ça donne, les gars. On va voir ce que ça donne d'avoir tous les médaillons. Tu as voulu te frotter à moi? Mais j'ai tous les médaillons, mon gourmand. J'ai juste invincible en fait. Oh là là, il y a le sac à dos. Backpack. Ok, donc ça, on le prend. On le prend à la place de ça. Et là, c'est parti, les gars, on est invincible. Ok, au moins on est sorti de la zone, mais on a tellement de points de vie en moins. Et par contre, ça se fight, attendez. Est-ce qu'il n'y a pas notre médaillon dans les deux? Oh si, avec la voiture. C'est totalement le médaillon qui est là. Ok, vite, on se recache. Est-ce qu'il m'a vu? Comment il sait? Comment il peut savoir? C'est un tricheur! C'est un cheater! Il s'appelle Banane en plus! Non, c'est un tricheur! Tu peux pas voir un mec invisible! Ce n'est pas possible! Mais c'est lui le super vilain original! Il cheat pour voir les gens invisibles! Je suis dépité! C'est Wick qui l'a envoyé, je peux pas y croire! On va se mettre là, et je vais monter ici. Regarde-moi bien ça! Attends, toi dégage! Du coup, tu me gênes, tu m'empêches de faire une belle cinématique! Les gars, j'ai enfin capturé tous les médaillons de la map! Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire si ce n'est protéger les citoyens de l'île? Je suis le super héros sur lesquels vous pouvez compter. Je protège votre famille. Je protège l'île. Les joueurs. Non. Les joueurs, je les tue. Les joueurs, je les pulvérise. Il reste 13 joueurs et nous allons perdre top 1. Ok, toi, t'es ma première victime. Super héros. Bien sûr qu'on est les super héros. Fortnite ne veut pas que je devienne un super héros, les gars. Mais je vais le devenir. Enfin, pour ça, il faudrait quand même que Wig meure parce qu'il y a plus que 7 personnes dans sa game. Ah, mais il y a un mec là. Ok, scan. Il est là. Ah, se meurt! Personne ne peut rien faire. Je vais monter quand même tout en haut. Voilà. Là, tout en haut de la statue, les gars. Je suis parfaitement installé. Qui a osé me tirer dessus?
Ok, ok, je me casse, ok, je me casse, ok. Vous voulez tous les médaillons, j'ai compris. Oui, s'il te plaît, avec tes 4 joueurs, arrête. J'ai pas envie de perdre notre première confrontation de la saison. Je vais mourir. Ok, je me mets. Wouh. Les gars, c'était chaud, j'avais plus de billes. Ok, on est rechargé. Mais pourquoi ça protège pas? Pourquoi le bouclier il protège pas? Non. Non, comment ça top 2? C'est pas possible! Je vais faire un massacre en prison! Je vais éliminer tous les prisonniers! Osez venir! T'es là toi! Allez, tu dégages! J'ai pas mis une balle. Allez, c'est bon, j'en peux plus! Tout m'énerve! Ça m'énerve! Ok, c'est du 1v1. On va le bombarder comme ça et on va faire top 1, les gars! Toi, tu m'énerves! La vidéo, elle m'énerve! Tout le monde m'énerve! Let's go! On roule pour le top 1, les gars! On roule pour le top 1! Qu'est-ce qu'il y a, toi? Toi aussi, tu m'énerves! Alors meurs! Regardez, mon attirail va faire le top 1 pour moi! Oh non! Top 2, non! Mais j'ai eu les 3 super pouvoirs, donc en vrai. Bien joué, Pablo! Oui, que je suis énervé, ça se voit, non? Je t'avais dit que j'avais préparé cette partie en faisant de la muscu. Je me suis fait tuer par un cheater! Let's go! Pardon. T'as dérangé hein, mon copain le Clactus. Bon oui, j'ai perdu cette première vidéo. Je suis dégoûté. C'est pas grave, tu restes le deuxième main character de cette saison et tu vas pouvoir prendre ta revanche, je pense, dans une autre. Fais le malin, je prendrai ma revanche plus tôt que tu le penses. Et c'est pas parce que t'as été un meilleur héros sur cette vidéo que tu le seras tout le long de la saison, ok? Si! Non, ça marche pas comme ça. En tout cas, pour cette fois-ci, je m'avoue vaincu. Pour ceux qui veulent voir d'autres vidéos de ce genre, il y en a une qui est apparue à droite, une à gauche. N'hésitez pas à cliquer dessus. Il y en a une en plus où je déballe cette nouvelle saison et où je la découvre avec Wig, donc n'hésitez pas à aller à la voir. Et sur ce, Wig, un dernier mot pour la fin. I am the superhero!